Salut les filles, aujourd'hui je teste un boucleur donc de la marque Primark qui coûte 11 euros, c'est pas environ, c'est ce boucleur-ci. La boîte est extrêmement longue donc il est super joli. Il est en forme de cône, on n'a pas le choix, on n'a qu'un diamètre donc je pense que c'est un gros diamètre. Alors je vais l'allumer avec vous, hop. Donc, petite lumière rouge. Voilà. Avoir le temps de chauffe. Tant que je me brûle pas, en fait, c'est qu'il est pas chaud. La meuf salaud. Allez, vite. Je dois aller au travail dans 20 minutes. Donc, il a intérêt de chauffer, il a intérêt d'être super efficace. Sinon, je serai en retard. Voilà. Donc, le temps qu'il chauffe, je vais commencer à me séparer les cheveux. Pour pas perdre de temps, bien sûr. Donc, je vais essayer d'être rapide. Je fais des grosses sections comme vous voyez. Hein. Bon, c'est pas un tuto sur comment je me boucle les cheveux ou autre. Il est chaud! Ok. Hop. J'attends une. J'attends deux. J'ai mis un protecteur de chaleur au préalable parce que je suis pas suicidaire non plus. Voilà. Bah, je crois que c'est un gros fail ce boucleur. Je prends une plus petite mèche. À moins que j'ai les cheveux trop courts et du coup que ça marche pas. On va attendre un peu plus longtemps, mais j'ai pas envie de me retrouver avec. Un trou sur la tête et des cheveux en moins. En plus, ça chauffe au crâne. Donc, je sais pas, dites-moi en commentaire si vous l'avez testé. Peut-être que je me prends mal ou autre. Mais. Ça fait un mouvement, mais. Mais pof, quoi. Je vais essayer de prendre une mèche à l'avant. Peut-être. En plus, il n'y a pas de gants thermoprotecteur, du coup. Non. Non, clairement, c'est pas joli. Je vais pas me lancer dans ça. Voilà, je me retrouve avec un mouvement, en fait. Donc, moi, je suis pas fan de ça. Je l'ai testé aujourd'hui pour la première fois. Après, peut-être que je m'y prends mal. En tout cas, le design est super joli. Mais c'est pas le design qui va vous boucler les cheveux. J'ai failli me brûler en direct. Tout va bien. Pour moi, c'est pas top. Donc, à vous de voir, les filles, si vous voulez investir dans ça. Je pense que avec les cheveux longs, avec les cheveux plus longs, on peut mieux se boucler le bas. Mais quand on a les cheveux courts comme moi, ça fait des... Non, non, personnellement j'aime pas du tout. Bon, voilà, c'était la déception du jour. Bon, c'était une toute petite vidéo courte, un crash test de ce lisseur, ce boucleur qui ne m'a absolument pas plu. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Salut !